Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars, on est là ou on n'est pas là? Bon, c'est toujours un plaisir les gars de vous retrouver, donc n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, ça récompense mon travail, t'as vu qu'on charbonne, on essaie de faire une vidéo par jour. Et je pense que j'étais tout dit, passons directement au sujet de la vidéo. Est-ce important, est-ce utile d'avoir un coach, ok? C'est une question, ça fait un moment que je me la suis déjà posée. Et je sais que, bon, il y a énormément de gens qui disent, ouais, à quoi ça sert d'avoir un coach? Il y a des coachs de vie, des coachs business. Est-ce que j'ai besoin vraiment, réellement d'un coach? Et moi, je me posais la même question. Je me disais, attends, moi, j'ai pas besoin d'avoir de coach. À un moment donné, je suis une machine de guerre. Si je décide de faire un truc, j'ai besoin de personne, tu vois, pour m'aider à pouvoir l'atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai même, je me rappelle, je discutais avec d'autres gars et ils me disaient, ah, bientôt, on va avoir des coachs pour pouvoir nous apprendre à pisser. La gounette, tu vois. Donc du coup, pour te dire, voilà où j'en étais dans ma réflexion, je me disais, les coachs, ça sert à rien. Bon. Enfin, pas que ça sert à rien, mais je me disais, franchement, je vois pas pourquoi j'en aurais besoin. Je suis une machine de guerre. Après, ce que j'ai constaté quand même, tu vois, après réflexion, c'est que je me suis dit, ok, Joe, tu dis que les coachs, ça sert à rien, mais je m'aperçois que toutes les célébrités, que ça passe par les hommes politiques, que ça soit par les sportifs de haut niveau, que ça soit les stars de cinéma, elles ont toutes un coach. Donc déjà, je me suis dit, ah tiens, c'est chelou et tout. Comment ça se fait qu'eux, ils ont tous un coach? Tu vois, les gens qui ont du succès de ouf ont un coach. Et moi, qui n'ai pas le succès qu'ils ont, je prétends ne pas avoir besoin de coach. Donc là, déjà, je me suis mis en mode un petit peu humilité. Je me suis dit, attends, il y a peut-être un truc là. OK? Et donc, finalement, je me suis fait coacher. Je me suis fait coacher et je vais te dire exactement ce que ça m'a apporté. Donc, si jamais tu étais dans le même cas que moi, pour toi, bon, coach, c'est un peu du bullshit, je vais partager mon expérience avec toi. Premièrement, le fait d'avoir un coach, ça m'a permis de pouvoir trouver mon don ultime. D'accord ? Donc, mon don ultime, tu peux appeler ça ta force, ton aptitude innée, comment on appelle ça encore enfin, ce qui fait que tu es exceptionnel, que tu as un talent de manière innée et que tu es exceptionnel dans ça. Et donc, pourquoi c'est important de trouver ça? Tout simplement parce que tu vas utiliser cette aptitude innée que tu as, ce don ultime que tu as, d'accord, et tu vas l'utiliser dans ton business. Comme ça, forcément, tu seras beaucoup plus puissant que tous les autres puisque toi, ton business sera basé sur ton don ultime. Donc ça, c'est super important, ça. Juste pour ça, déjà, avoir un coach, ça tue déjà. Parce que tu ne verras plus du tout la vie de la même manière. Tu seras vraiment conscient de tes forces qui fait de toi que tu es unique. Tu seras conscient de la puissance que tu as en fait, de ton potentiel de ouf que tu as. Ok, donc déjà, ça m'a permis de trouver mon don ultime. Deuxièmement, ça m'a permis d'avoir de la clarté. Ce que je me suis aperçu dans le business, tu vois, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si jamais tu étais comme ça, mais tu sens que tu as un potentiel de ouf en toi. Tu sens que tu as un potentiel, mais tu sais pas où aller en fait. Tu vois, tu vas faire un business là, après tu vas faire un autre business là, après tu vas faire un autre business ici, tu vas faire dropshipping, bourse, machin, tu vas aller un peu partout. Et finalement, à chaque fois que tu vas commencer un truc, tu vas arrêter. Ça, c'est un problème de clarté, tu vois. Et moi, j'avais ce problème-là. Je sentais que je pouvais tout péter, mais j'arrivais pas à être aligné. Je savais pas réellement qu'est-ce que je voulais vraiment, dans quoi je me serais le mieux épanoui, tu vois, dans quoi je serais le plus performant, tu vois. Et ça, je l'avais pas. Et que, quand tu as un coach, grâce au coaching, ça m'a permis d'avoir plus de clarté sur qui je veux être, qui je suis et là où je veux aller. Et ça, mec, c'est ce qu'il y a de plus puissant au-delà des stratégies, au-delà de l'argent. C'est quand tu es clair avec toi-même, que tu sais exactement où tu vas, il n'y a rien de plus puissant, gars. Après, c'est ligne droite, gars. Tu n'as plus qu'à passer à l'action et tu fonces. Et en plus, tu n'auras même pas de difficulté à passer à l'action parce qu'en fait, tu es tellement clair et aligné avec toi-même que ça va tout seul, en fait. Donc ça m'a apporté ça. Troisième chose, ça m'a apporté aussi le fait de voir grand, tu vois, de voir vraiment grand. Tu sais, quand tu es tout seul, tu te dis « ouais, je vois grand de ouf ». Mais quand tu as quelqu'un qui te fait vraiment voir grand parce que, en fait, il voit le potentiel que tu as en toi, il te fait prendre conscience de ton potentiel et il te dit « regarde là où tu peux aller grâce à ce potentiel-là ». Et donc ça, c'est énorme, ça. Ensuite, autre chose que ça m'a apporté, c'est que ça te permet de te booster aussi. Tu vois, le fait que tu es quelqu'un avec qui tu échanges
et qui t'empêche de dire des bullshit, par exemple, toi, tu vas dire, ouais, mais je peux pas faire ça, par exemple. Si tu dis, ouais, bon, vas-y, tu devrais passer à l'international. Tu vas dire, ouais, mais t'as vu mon anglais et tout, il est pas super, nanani, nanana. Bah, en fait, il va te montrer direct que c'est des excuses que tu te donnes, en fait. Tu vois, quand t'es tout seul, tu te dis, c'est logique ce que tu te dis. Ah ouais, tu te racontes une histoire. Ouais, mais je peux pas, regarde, je parle pas bien anglais, c'est logique. Même si t'aurais voulu partir à l'international, tu dis, ouais, c'est chaud et tout, personne me connaît, là, là, là. Alors que quand t'as un coach, le gars, il voit tout de suite si c'est des bullshit ou pas. Il dit, ça, c'est bullshit. C'est des excuses, c'est parce que t'as peur. Donc, du coup, bah, là, t'es bloqué. Tu es obligé de dire, ouais, bah, j'avoue. Il te fait prendre conscience que c'est pas vrai. Il te fait prendre conscience que ton anglais, il est pas si pourri que ça. Et si jamais il est pas encore bon, bah, t'as juste à apprendre l'anglais. Donc, en fait, je t'aperçois que finalement, il n'y a plus rien, en fait. Il y a juste toi et ton objectif et tes rêves. Et t'as plus qu'à y aller. Donc, ça, c'est super puissant, ça, mec. Ça vaut de l'or. Et ensuite, le dernier point, c'est que ça m'a apporté. Bah, du coup, c'est un accompagnement qui t'emmène à l'objectif. Donc, t'as toujours quelqu'un qui t'accompagne pour t'emmener jusqu'à l'objectif. Je dis pas qu'on peut pas réussir sans avoir de coach, hein. C'est juste que ça va prendre plus de temps. Tous les gens que j'ai interviewés, tu vois, tous les gens, si jamais tu suis un peu ma chaîne, tu as déjà vu mes interviews, tous les gens que j'ai interviewés qui ont eu des réussites, qui ont explosé de ouf, ils ont tous été coachés. Tu vois, je crois pas que j'aurais demandé pendant l'interview, mais en off, en échangeant comme ça, je me suis aperçu, ok, à un moment donné, ils disent, ah ouais, j'ai été coaché à un moment donné, à ce moment-là. Tous les gens qui ont des réussites de ouf, ils ont été coachés. Donc maintenant, faut rester humble. Tu vois, faut rester humble. Si tu veux tout péter, eh ben, il va falloir que tu te fasses coacher. Avant, je pensais pas que c'était nécessaire. Maintenant, je le sais parce que je l'ai vu de mes yeux. Donc, je peux comprendre qu'il y en ait qui soient sceptiques par rapport à ça. Mais les chiffres sont là. À un moment donné, comme disait le philosophe, les hommes mentent, mais les chiffres mentent pas. Ah, non, je sais c'est qui. Si tu sais c'est qui a dit ça, mets-moi ça en commentaire. Donc, qu'est-ce que je vais te dire d'autre par rapport à ça? Ouais, donc voilà, ouais. Il y a des choses, tu vois, où tu penses que tu peux y arriver tout seul, mais tu n'y arrives pas. Par exemple, il y a des gens, pour perdre du poids, il y en a qui ont besoin d'un accompagnement. Et si tu as un accompagnement, tu iras beaucoup plus vite. Tu vois, c'est juste en fait de la logique, tu vois. Il y en a qui vont, ça fait 10 ans qu'ils essaient de perdre du poids. Ben, prends un accompagnement. En 3, 4, 5 mois, le gars, il sera derrière ton dos, il sera avec toi. Tu vas perdre tes 10 kilos rapidement, tu vois. Et ça, c'est pareil pour le fitness. Ouais, en fitness, moi, je me suis beaucoup entraîné de manière tout seul. Mais les moments où j'ai tout explosé, où j'ai vraiment eu des progressions de ouf, ben, c'est quand j'avais un coach, quand j'étais accompagné. Parce qu'il me disait quoi faire, il me disait comment faire. Il avait déjà une expertise en avance par rapport à moi. Et pareil pour la musique, si jamais tu essaies de t'entraîner tout seul, tu iras moins vite que si jamais il y a un gars qui t'accompagne pour atteindre ton objectif directement. À un moment donné, bon, je sais pas si tu sais, j'avais un blog sur le saxophone, enfin je dis toujours, j'ai mon blog sur le saxophone, j'ai même la chaîne YouTube sur le saxophone. Si tu veux voir, tu tapes Jonathan le saxophoniste, tu vas me trouver. Et quand j'ai taffé, à un moment donné, j'ai travaillé mon saxophone tout seul. Mais maintenant, avec le recul, je me dis si j'avais pris un prof de jazz pendant au moins 2-3 ans quand j'ai commencé par exemple, enfin si je l'avais pris dès le début, mais j'aurais eu explosé mon niveau mais super rapidement. Donc tout ça pour te dire, là je raconte un peu ma life, mais tout ça pour te dire que gars, quand t'as un coach qui t'accompagne, tu vas beaucoup plus vite et tu exploses beaucoup plus rapidement. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ok, c'est de te partager mon expérience. Ça se trouve que toi, quand t'auras ton coach, ce sera pas la même chose. Maintenant, si jamais toi t'as un business qui est dans la thématique de, que ce soit les relations, l'argent, la santé, d'accord, moi je t'accompagne pour que tu puisses atteindre les 10K en 3 mois. Ok, j'ai une session offerte, tu as juste à cliquer sous le lien juste en dessous, tu prends rendez-vous, tu vois, il y aura un petit calendrier, tu vas choisir ton jour et l'heure et tu auras une session avec moi offerte, d'accord, c'est cool, c'est offert et je vais partager avec toi une stratégie personnalisée à ton business et à toi, d'accord. Il suffit juste que tu sois dans ces trois thématiques-là, argent, santé et relations, d'accord. Donc tous les coachs, thérapeutes, si jamais tu as une expertise en immobilier, bourse, d'accord, tout ce qui est perte de poids, etc., prise de masse. Dès que tu es coach, déjà thérapeute, c'est bon, tu peux y aller. Après, si tu es entrepreneur, tu as quelques clients et tu n'es pas dans cette thématique-là, prends quand même rendez-vous et je te dirai si jamais tu corresponds au profil ou pas et si jamais je peux t'aider ou pas. Donc, dans tous les cas, durant cette session, tu vas apprendre énormément de choses. Ce serait bête de rater ça. Donc, clique sous le lien juste en dessous pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Ok, donc d'ici là, les gars, prenez soin de vous, lâchez rien et on reste déterminés.